anciens, pas 48 heures, parmi ces items, identification, complication du diabète, le suivi, les connaissances des patients, en plus de deux tubes pour la réalisation des analyses sanguines, le premier pour le DNA génome, le deuxième pour le bilan lipidique. Les paramètres cliniques de notre population, comme vous pouvez le voir, on avait plus de 73% des non-diabétiques qui étaient analphabètes versus 78% pour les diabétiques. Le sexe ratio était 445 hommes sur 862 femmes pour les diabétiques. Vous pouvez le voir, ce sont les femmes qui occupent les deux tiers de notre population. L'âge moyen était supérieur, comme vous le voyez, à 50 ans. L'indice de masse corporelle était un peu élevé par rapport à la moyenne. Le tour des hanches, la même chose. Mais on a noté déjà une différence qui est significative entre les deux populations, des témoins et des patients. Les autres paramètres cliniques qu'on a mesurés, c'est le tabagisme et l'alcoolisme. Comme vous pouvez le voir, notre population était au maximum, je crois. Hypertension artérielle était significative pour les diabétiques par rapport aux non-diabétiques. Ainsi que l'inactivité physique était, je crois, pareil pour les deux populations, avec une légère augmentation pour les non-diabétiques. Pour le traitement utilisé, pour la durée moyenne du diabète de notre population diabétique, était de l'ordre de 6,3, plus ou moins 5,7 années. Et pour le traitement, c'était les antidiabétiques oraux qui ont été les plus utilisés. Tandis que la glycémie moyenne pour les non-diabétiques était de l'ordre de 0,84 grammes par litre, plus ou moins 0,09. Pour le bilan lipidique, le taux de cholestérol moyen était plus important pour les diabétiques avec 200 mg par décilitre, plus ou moins 48, par rapport au contrôle. Pour les HDL cholestérol, était légèrement significatif pour les diabétiques par rapport au contrôle. Pour les LDL, était légèrement, était très, très significatif pour les diabétiques par rapport au contrôle. Ainsi de suite pour les triglycérides et la dyslipidémie totale. Pour la durée du diabète, pour l'ancienneté du diabète, si vous voulez, plus de la moitié de notre population ont découvert leur diabète de moins de 4 ans. On s'est basé sur un questionnaire administré en face à face aux patients diabétiques. Bien sûr, avec le dossier, on complète le questionnaire par le dossier médical de chaque patient et bien sûr en présence de médecins traitants. Notre questionnaire était composé de 6 sections. La première est concernant la section sociodémographique, section des caractéristiques de la maladie, de suivi, la prise en charge, les complications dégénératives et la dernière section concernant le bilan biologique et les mesures anthropométriques. Alors, comme résultat, notre population était composée de 1196 patients diabétiques de type 2. La moyenne d'âge était de 57,5, plus ou moins 10 ans. Notre population était composée essentiellement des femmes, avec un pourcentage de 77,5% et 63,8% avaient une ou plusieurs complications. Avec 15,7% de ces diabétiques ont présenté trois complications à la fois.
Pour la durée moyenne du diabète était de 8 ans, plus ou moins 6 ans. L'hypertension était présente chez 49,3%, avec 77,9% des patients étaient en surpoids ou obèses. 79,8% de ces patients étaient en déséquilibre glycémique, malheureusement. Au niveau des pratiques pour ces patients, nous avons trouvé que seulement 55,8% des diabétiques qui ont déclaré leur respect du régime diétique et 64,3% qui ont un suivi régulier. Nous avons fait ici une corrélation entre le taux de respect du régime avec le suivi. Nous avons trouvé une association statistiquement significative qui révèle que les patients qui font un suivi, ce sont ceux qui respectent plus le régime. Ici, nous avons le taux du respect ou non-respect du régime chez ces patients, en corrélation bien sûr avec le suivi régulier, parce qu'il y a une différence avec le suivi et le suivi régulier. Pour le suivi régulier, notamment, on a trouvé que les patients qui font un suivi régulier sont ceux toujours qui respectent le régime alimentaire. On a parti un peu plus loin et on a trouvé que le respect du régime alimentaire prescrit par les médecins traitants augmente ou varie en association significative avec la BMI. Alors, ceux qui ont une BMI plus élevée, c'est-à-dire obèse ou surpoids, sont ceux qui respectent le régime. Aussi, ceux qui font un suivi régulier de leur taux lipidémique sont ceux qui respectent le régime. Et plus significativement, ou très très significativement, ceux qui font un suivi régulier de leur taux d'hémoglobine. Et c'est clair. Au niveau des complications dégénératives, on a trouvé ici une association qui est un peu bizarre, contradictoire de ce qui est trouvé dans la littérature. Au lieu de dire que le respect du régime est un facteur protecteur des complications, on a trouvé le contraire. C'est-à-dire les patients qui ne respectent pas le régime, au lieu de ceux qui respectent le régime, sont ceux qui ont plus de complications. Oh. Pardon. Mais je peux vous dire ici que ce n'est pas le cas, parce que malheureusement, à cause de notre mentalité marocaine, le patient, dès qu'il voit une carte rouge de son médecin, lui dit « vous êtes en danger pour respecter votre régime », à ce moment-là, le patient commence à respecter le régime. Ce qui explique la situation qu'on a ici. Donc, le fait d'avoir une complication, c'est ce qui pousse le patient à respecter son régime. Alors, notre étude a connu certaines limitations parce qu'on ne dispose pas d'une table alimentaire spécifique pour les Marocains. Aussi, on n'a pas pu déterminer soit la qualité ou la durée du respect de ce régime prescrit. Mais, heureusement qu'on a pu faire cette étude qui va être la première étude réalisée au Maroc sur une large population, je dirais pas la première sur les diabétiques, mais en termes des complications chez ces diabétiques. Parce que cette étude, ça sera comme référence aux professionnels et aux décideurs de développer et d'appliquer des mesures de prévention primaire et secondaire. Pour conclure, notre étude a montré que presque tous les patients marocains qui visitent les centres de santé primaires ne suivent pas leur régime alimentaire, malheureusement. Aussi, ici, je peux vous dire que les patients diabétiques devraient recevoir
un régime alimentaire individualisé pour atteindre les objectifs du traitement prescrit, mais par des diététiciens qualifiés. Et pour finir, je dois remercier toute l'équipe du laboratoire d'épidémiologie et de recherche clinique, essentiellement M. Yohann Sechel qui est parmi nous, et aussi M. Shakib Njali, Mohamed Borho, et tous les organisations et les personnes qui ont contribué à la réalisation de cette étude. Et merci. Maintenant, j'espère que vous appréciez encore davantage le métier de l'enseignement, comme vous donnez une conférence. Merci, mademoiselle Salehi. Et on va passer directement à la présentation suivante, qui va porter sur la surcharge pondérale et l'obésité chez les enfants scolarisés de Marrakech. C'est des adolescents scolarisés de Marrakech. Selon les caractéristiques sociales et économiques. Et ce sera présenté par M. Kautan. Kautan Kamel. Vous avez la parole. Donc, Madame, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les professeurs, Mesdames et Messieurs les docteurs, également les étudiants et la présence. Nous avons l'honneur de présenter devant vous donc, notre communication qui s'intitule « Overweight Obesity Included in High School Teenagers, Marrakech, Morocco, According to Social and Economic Characteristics ». Bien évidemment, ce travail a été encadré par Monsieur le Professeur Mohamed Kamel Hilali, et co-encadré par Monsieur le Professeur Mohamed Lourid. Les travaux ont été réalisés au niveau du laboratoire d'écologie humaine, relevant à la faculté des sciences Smilalia Université Adiaïa. Comme vous savez, donc, le Maroc, en raison de la forte urbanisation et industrialisation, connaît une transition, ou bien autrement dit, une période de transition alimentaire et nutritionnelle. Et par conséquent, il se trouve confronté à des malnutritions à la fois de type carentiel et de type lié à des excès d'apport, avec comme conséquence l'émergence de la problématique de l'obésité. Maintenant, la question qui se pose, quelle est la place de la santé de l'enfant dans les stratégies du ministère? Oui, donc, quelle est la place de la santé de l'enfant dans les stratégies du ministère de la Santé? Bien évidemment, la priorité était accordée aux enfants de moins de 5 ans. Les principales actions du ministère de la Santé étaient axées sur cette tranche d'âge-là parce que, vu donc bien évidemment à la morbidité et à la mortalité infantile juvénile. Concernant la grande enfance et l'adolescence, les interventions du ministère de la Santé se limite également aux actions menées dans le cadre de la santé scolaire et universitaire. Programme-là, cela de la santé scolaire et universitaire. Et ce n'est qu'en 2004 que le ministère de la Santé a décidé d'élargir, bien évidemment, ses décisions auprès des enfants de 5 à 18 ans. En effet, on s'est rendu compte que les besoins spécifiques de cette catégorie de la population ne sont pas bien collés et de ce fait ne sont pas pris en considération. Donc, l'objectif principal de cette communication, c'est l'évaluation de l'état nutritionnel et l'étude de sa relation avec le gradient socio-économique et social. En ce qui concerne donc la méthodologie sur laquelle nous avons basé, donc notre enquête de terrain s'est déroulée entre 2008 et 2010. Elle a touché 1407 enfants et adolescents âgés de 12 à 18 ans, fréquentant 11 collèges et lycées appartenant à la ville de Marrakech et à 3 communes rurales adjacentes, à savoir Tamsloft, Tepnert et Amzeyes.
Bien évidemment, donc, notre travail est basé sur le recueil des données, qui sont le remplissage d'un questionnaire auprès des élèves, également des mesures anthropométriques. Bien évidemment, le remplissage de ce questionnaire-là s'est déroulé en privé avec chaque élève seul afin de lui garantir la confidentialité des données et pour qu'il puisse bien évidemment s'exprimer librement. Ce questionnaire-là, il comprend bien évidemment 7 volets, des informations sur l'enquêté, également des informations sur le niveau socio-économique et culturel de ses parents, l'état de santé, donc son état de santé, des questions sur ses habitudes alimentaires, et également sur le mode ou bien son mode de vie, c'est-à-dire est-ce qu'il est sédentaire ou non. Et enfin, des questions sur l'hygiène corporelle et plus particulièrement l'hygiène bucco-dentaire. En ce qui concerne bien évidemment donc les mesures anthropométriques, pour chaque enfant, nous avons relevé. Premièrement, le poids à l'aide en kilogrammes à l'aide d'une balance pèse personne, la taille en centimètres à l'aide de toises verticales, le périmètre du bras et ainsi que les plis cutanés. En ce qui concerne donc la saisie, le traitement et le traitement statistique des données, donc, elles ont été faites à l'aide de logiciel SPSS version 10. Ce logiciel-là nous a permis d'effectuer, bien évidemment, des analyses descriptives univariées, également des analyses bivariées, à savoir l'utilisation de tests T de Student, le test K2, et également, nous avons, dans cette étude-là, nous avons pratiqué donc, l'analyse multivariée, à savoir la méthode de régression logistique binaire, également l'analyse factorielle des correspondances multiples LFC. Donc tout d'abord, au départ, il nous est apparu indispensable de faire une évaluation du niveau socio-économique et culturel de la population étudiée. À cet égard, nous avons pratiqué donc, l'analyse factorielle, l'analyse des correspondances factoriel de correspondance multiple. Donc les variables ainsi que leurs modalités sont résumées dans le tableau suivant. Également, donc, le niveau socio-économique des parents, l'instruction des parents, la densité, également le milieu de résidence et ainsi de suite. Donc nous avons constaté qu'il y a une corrélation importante entre les différentes variables socio-économiques et culturelles et ainsi deux groupes s'individualisent selon le premier axe par rapport à l'origine. Nous distinguons bien évidemment donc un groupe qui est favorisé et qui comprend donc les familles ou bien les ménages en par exemple comme moyen de transport la voiture, elle habite dans des appartements et dans des villas, les mères sont actives, la densité est faible, les familles sont réduites et ainsi de suite. À l'inverse, un groupe qui est défavorisé et qui comprend donc les familles nombreuses, dont c'était élevé, mais il habite en milieu rural, également les mères ne sont pas actives, et ainsi de suite. Donc, en ce qui concerne donc, l'évaluation de l'état nutritionnel des enfants de la wilaya de Marrakech, cette évaluation-là montre que la majorité des élèves de la wilaya de Marrakech manifestent un état nutritionnel normal, soit dans l'ensemble 83%, avec 88% des filles et 78% des garçons. En ce qui concerne donc le pourcentage de l'insuffisance pondérale, nous avons constaté que ce pourcentage-là est très prépondérant donc chez les garçons que chez les filles, portant donc la surcharge pondérale, à savoir le surpoids et l'obésité. Donc, elle est presque égale chez les deux sexes. Donc, d'après ces résultats, nous constatons la présence donc, du double fardeau de la transition nutritionnelle que nous avons vu cette matinée. Et par conséquent, donc, qui est le résultat ou bien la conséquence de la transition nutritionnelle que connaissent ces pays, ou bien les pays émergents dont fait partie le Maroc. Deuxièmement, donc, comme vous savez, l'influence ou bien l'influence du lieu de résidence sur le risque de l'obésité varie. Pour étayer ce propos dans notre échantillon, nous avons étudié donc, la relation entre les classes de l'IMC et le milieu de résidence urbain-rural.
Et l'on ressort du résultat des tables suivantes que la maigreur est plus prépondérante en milieu urbain qu'en milieu rural. Également, donc, portant la surcharge pondérale, c'est-à-dire le surpoids et l'obésité, sont très importants donc, en milieu urbain qu'en milieu rural. Donc, ce résultat peut être expliqué par le FES. Donc, ce sont les résultats d'un autre travail qui est déjà publié. Donc, la surconsommation des produits sucrés en milieu urbain, également le mode de transport, ou bien le mode sédentaire, qui est sédentaire, le mode de transport pour se rendre à l'école. Nous avons constaté que ce mode-là, il est inactif en milieu urbain qu'en milieu rural. Également, nous avons constaté que l'effet écran, un nombre quotidien d'heures passées devant un écran, à savoir télévision ou bien ordinateur, ce nombre-là, il est très important en milieu urbain. Également, dans cette étude, nous avons constaté, ce sont des résultats qui ont été publiés, bien évidemment, nous avons constaté que le saut du petit-déjeuner, c'est-à-dire le saut du petit-déjeuner, il est remplacé par la collation matinale des heures. Donc, cette collation-là, elle est trop riche en graisse et sucre raffiné, ce qui peut expliquer bien évidemment cette différence de l'état nutritionnel, proprement dit, de la surcharge pondérale qui est plus importante, la plus prépondérante en milieu urbain. Également, dans cette étude, nous avons évalué un petit peu la relation entre le niveau socio-économique, ou bien, autrement dit, avant, l'instruction des parents et le risque de surpoids, parce que le faible niveau d'instruction peut constituer un facteur de risque de la malnutrition chez l'enfant. Plus particulièrement celui de la mère, du fait qu'elle est la principale responsable de la nutrition et des soins accordés aux enfants. Dans notre échantillon, également, nous avons constaté que la maigreur est prépondérante chez les élèves dont les parents ayant un niveau d'instruction faible. Par contre, le surpoids et l'obésité, il est prépondérant chez les élèves dont les parents ayant un niveau d'instruction élevé. Le niveau socio-économique, étant parlé de la synthèse bibliographique que nous avons effectuée, bien évidemment, plusieurs études, ou bien selon plusieurs études, nous avons vu qu'il y a une relation, donc cette relation-là diffère selon que ce soit donc les pays en voie de développement, c'est-à-dire les pays émergents, que les pays développés. Par contre, donc, c'est juste une explication, le niveau socio... D'accord. Donc, un niveau socio-économique bas peut constituer un facteur de risque de l'obésité dans les pays développés, entre autres à cause de l'augmentation ou bien la disponibilité des aliments riche en graisse et sucre raffiné, également un manque d'accès aux produits, ou bien aux produits, autrement dit, aux aliments sains, particulièrement aux légumes et aux fruits. Et en revanche, nous avons également un niveau socio-économique qui est faible, peut constituer un facteur de risque de l'obésité dans les pays émergents, s'inscrivant bien évidemment dans le cadre de la transition nutritionnelle qui est constituée la thématique de cette manifestation internationale. Également, donc, nous avons vu ou bien étudié la relation entre l'habitude de prise de petit déjeuner et les classes de l'IMC et nous avons constaté que les élèves qui ne prennent pas régulièrement le petit déjeuner le matin présente un risque d'obésité, c'est-à-dire significativement une prévalence importante de surpoids et de l'obésité chez cette catégorie de la population. En conclusion, donc, en milieu urbain et en plus des conditions socio-démographiques, nous avons constaté que la modernisation de leurs habitudes alimentaires et leur mode de vie semble forcément associé à la surcharge pondérale, ainsi donc des programmes de sensibilisation et d'éducation aux conséquences de la sédentarité sont donc d'un grand intérêt afin d'évaluer ou bien de normaliser, autrement dit de normaliser le style de vie
et les habitudes alimentaires des adolescents au Maroc. Également, des recherches approfondies sur des échantillons de taille importante seront également d'une grande importance pour évaluer plus profondément ou bien l'ampleur de ces différents facteurs de risque. Donc, cette communication touche à sa fin. Merci pour votre attention. Présentatrice et Mademoiselle Hippie. Merci, madame. Allez, bonjour, madame, monsieur. Aujourd'hui, je vais vous présenter un travail qui... je vais partager avec vous les résultats de cette autre étude sur l'impact de la migration rurale urbaine sur le changement de la prévalence d'obésité chez une population migrante originaire de Sousse et résidente à Casablanca. Pour commencer, voici quelques chiffres qui nous informent sur la prévalence d'obésité au monde entier. Selon l'OMS, en 2008, la prévalence, on a presque 300 millions d'adultes qui présentent l'obésité. C'est presque